Méditation du 9 avril. Je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Ésaïe 43, verset 2. Il y a quelques années, Ryan Reynolds, un célèbre acteur hollywoodien, a admis publiquement mener un combat acharné contre l'anxiété. Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la santé mentale, il a posté ce message sur son compte Instagram. À tous ceux qui, comme moi, surchargent leur agenda, pensent trop, travaillent trop, s'inquiètent trop et font trop de choses, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est cet excès de tout qui nous amène à être remplis d'anxiété, un sentiment d'appréhension et d'inquiétude qui perturbe considérablement notre normalité. Avec la dépression, l'anxiété est un des problèmes de santé mentale les plus courants de notre époque. Les spécialistes en santé mentale affirment que près de 5% des personnes souffrent d'anxiété généralisée. Et cela constitue un problème grave, car l'anxiété entraîne fatigue, irritabilité, palpitations, manque de sommeil et vertige, avec toutes les répercussions que cela comporte. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le psalmiste s'est écrié « Mon âme se fond de chagrin » Psaume 119, verset 28, version Jérusalem. Combien d'entre nous ressentent la même chose en ce moment? Le verbe « se fondre » véhicule l'idée de quelque chose qui se répand. Comme si le psalmiste disait « Un torrent d'anxiété se déverse, se répand brusquement en moi. » L'anxiété est une angoisse du cœur, une douleur qui ronge notre vie, un vide qui remplit notre âme de folie. Ceux d'entre nous qui sont anxieux doivent se rappeler ce que Ryan a dit. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et qui est à nos côtés dans ces moments où tout semble agité et incontrôlable? Le prophète Ésaïe nous répond, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Au milieu de notre combat contre nos angoisses, nous ne devons pas oublier que Dieu est avec nous et qu'il nous accompagne dans nos moments les plus angoissants. Le Créateur se tient à nos côtés. Pourquoi? Pour nous consoler et nous rendre la joie au milieu de nos soucis. Voir Psaume 94, verset 19. Je sais que beaucoup de choses nous inquiètent, des problèmes qui ont fait de l'anxiété notre compagne. Cependant, notre Père Céleste est venu dans nos vies anxieuses pour nous donner consolation et joie. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.